Alors, comme d'habitude, un petit tour sur le fascicule qui est toujours aussi intéressant. Donc, on arrive au numéro 70 et il y a toujours franchement des trucs à dire, des trucs à voir, des choses à apprendre. Non, franchement, c'est top. Numéro 70, donc encore 40 numéros. Ouais, ça fait quand même ça fait pas mal, hein. Mais bon, par rapport au début. Là, on approche de la fin. Bon, alors, Meurtre sur mesure, épisode 12 de la saison 3. Ensuite, bah voilà, hein, ma petite playlist que j'adore, qui me fait voyager encore. Toujours plein de choses super sympas à apprendre. Ainsi que les fonctions de kit. Hein. Hop. Et voici notre pas à pas. Alors, hop, on va rapprocher ça un petit peu comme ceci. Le détail de nos pièces, ben nous avons la garniture intérieure. Donc toutes les pièces de la garniture. Et on va la monter cette vitre cette fois-ci. On la monte, et oui, et on finit cette portière. Voilà. Donc notre pas à pas, bon ce que j'adore, il va falloir coller encore des choses. Et en plus cette fois-ci, il y en a deux à coller. Enfin bon. Alors, hop, notre pas à pas que voici. Voyez, on la monte la vitre. Et on va même faire un essai. Voici donc le résultat final pour ce numéro 70. Donc la portière est entièrement faite. On la monte pas tout de suite par contre dessus. À mon avis, on va pas tarder, mais je crois que c'est sur le numéro 71 qu'on la monte sur le châssis, enfin sur la carrosserie plutôt. Voilà, mais on en aura terminé avec cette portière. Et hop, ah bah cette fois-ci, pas d'archives secrètes. Non, il n'y en a pas. Allez, on regarde le détail des pièces. Donc voici nos pièces. Alors déjà la garniture côté intérieur. Donc une superbe pièce. Donc on voit bien qu'on a pas mal de petites choses à mettre dessus. De l'autre côté, donc nous avons les fixations, l'endroit pour les fixations des engrenages et l'emplacement pour la vitre. Ah, assez sympa. Alors, ça part déjà très fort. Voilà dans quel état est mon autocollant, en fait. Ce qui va venir ici, là. On peut le voir. Dans le transport, il a, on peut dire, vraiment morflé. Il faut que j'essaye de l'aplatir un peu avant de le décoller, puisque sinon, déjà que c'est une galère pour moi de mettre ces choses-là, mais alors en plus il est complètement de travers comme ça part fort déjà. Ensuite, le deuxième en dessous qui va venir à cet endroit, un effet velours, franchement une texture hyper agréable. Franchement, c'est magnifique, magnifique. L'intérieur est vraiment soigné sur cette collection. L'accoudoir, le système donc pour la portière avec la levée des vitres ici, même les petits détails, vous voyez, il y a tous les petits détails. La poignée pour ouvrir cette portière, le support de la poignée, une petite baguette de propreté. Cette pièce-ci donc qui va servir, je crois que c'est pour les contacts de porte que l'on va mettre de côté et qui sera pour le prochain numéro. Et aussi bah, des vis BP, des vis RM, des vis AM
et des vis d'épée. Voici. Allez, sans plus attendre, on est parti pour le montage. Donc, alors, étape 1, on va commencer directement par coller cette pièce, enfin, ce bout, cet autocollant plutôt. Et alors là, je crains le pire, parce que j'ai vraiment horreur de faire ces choses-là. Ça part fort, j'arrive pas déjà à le décoller. Allez, on est parti. Bon, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Bon, c'est à peu près bien collé. J'ai juste ici, là, je sais pas pourquoi. Ici, ça part en cacahuète, on peut le dire. Mais bon, tant pis, j'ai essayé au mieux de le coller. Donc voilà. Non, franchement, je suis vraiment pas fan de ces trucs à coller. Même là. Ça a tendance à un peu à déborder. Bon, je verrai, normalement peut-être qu'avec la baguette ça va se rattraper. Allez, on va passer à l'étape 2. On vient prendre notre pièce 18E que voici. Donc à l'arrière, deux petits tétons qui vont venir à cet endroit. Donc, hop, on vient la positionner comme ceci. Ensuite, on vient prendre la pièce 78C et la pièce 78F. Hop. On vient comme ceci, on prend notre pièce F que l'on va venir mettre ici. Donc on a deux petits tétons ici. Ils vont venir se placer dans la pièce C. Donc hop, il suffit juste, voyez, de les positionner comme ceci. Alors, en étape 4, on vient tout simplement positionner notre pièce comme ceci sur notre garniture. Voilà. Donc, voici ce que ça donne. On retourne le tout et donc à cet endroit-là, ici, on va mettre une vis BP. Voilà. Ça fait horrible, on dirait. J'aime pas. Ça me plaît pas, cette ondulation là qu'il y a. Ça fait pas propre. Donc nous avons notre poignée, normalement qui doit être à peu près fonctionnelle. Ouais, enfin, bon, elle bouge un peu, mais bon. De manière, je pense pas qu'on va s'amuser à toucher à cette pièce là.
Alors, en étape 5, on vient récupérer notre pièce B que voici, qui est tout simplement la baguette qui va venir à cet endroit. Donc, il y a des petits picots en dessous. On met les picots dans les trous. Hop. Comme ceci. Voilà. Juste celui-là qui a un peu plus de mal à rentrer. Non, c'est bon. Donc, voici ce que ça donne. Oh, décidément, ce truc-là, c'est... Je sais pas si je vais vraiment le... Si je pousse un peu avec mon ongle, ça a l'air de rien faire du tout. Bon. Alors. Étape 8. On va venir mettre cet autocollant-là à cet endroit. Donc là, ça devrait peut-être aller un peu mieux. Donc, il a sa forme, comme on peut le voir. Et on est parti. Voici qui est fait. Donc, on a vraiment un super effet velours là sur cette pièce là. Ah, j'adore. Ouais, non, franchement, c'est très agréable au toucher. Voilà. Bon, toujours pareil. Hein, toujours ce problème de vague là ici. Bon, de toute façon, ce sera. J'ai beau essayer d'appuyer pour le faire revenir, mais non. Bon, ça restera comme ça. Allez, on va passer à l'étape 7. Donc, étape 7, on vient prendre notre pièce D qui est l'accoudoir. On va venir le positionner. Donc, nous avons un picot ici, deux gros trous là. Et bah, tout simplement, hein, il va venir se positionner comme ceci. Voilà. On retourne le tout. Et à cet endroit, ici, on va mettre une vis BP. Et ici aussi. Donc, une vis BP ici et une vis BP ici. Donc, voici ce que ça donne. Alors, maintenant, on va passer à l'étape 8. En étape 8, donc, on vient récupérer nos trois engrenages du numéro 69. On vient retourner l'ensemble. Donc, à cet endroit-là, nous avons trois petits trous. Donc, on vient prendre les engrenages. Le premier avec la roue crantée, enfin la double roue crantée vient en bas. Ensuite, l'engrenage tout plat vient au milieu. Et bien sûr, la dernière va à cet endroit. Comme ceci. Donc, on maintient le tout avec des vis DP. Donc, une vis pour chaque engrenage. Donc, voici qui est fait. Alors, j'ai volontairement serré un petit peu quand même les engrenages, enfin les vis. Pas trop non plus, parce que il s'agit quand même que la vitre
se lèvent et descendent, enfin montent et descendent facilement, mais pas trop non plus puisque il ne s'agirait pas qu'elle tombe toute seule. Donc voilà, après c'est vraiment au jugé, hein, vous serrez et puis vous faites un test. Enfin, moi là, c'est un peu dur, mais je pense que ce sera bon. Voilà, donc ça, c'était notre étape 8. Alors, en étape 9, on vient récupérer notre vitre. Pareil, que l'on a gardé, que l'on a eu tout simplement au numéro 68. On vient la positionner, donc ici, nous voyons deux petits rails. On a les deux glissières ici. Elles viennent se positionner comme ceci. Hop. Donc notre pièce ici vient dans la petite rainure que l'on voit ici. On va prendre une vis d'épée encore pour fixer le tout. Hop. Sinon, si on met pas cette vis là, je vous explique pas la galère pour monter l'ensemble. Donc là, il s'agit de venir faire toucher la vis sur le plexi, de façon à ce que ça bouge pas trop non plus. Voilà, donc on fait un petit essai. Comme on peut voir, ça fonctionne nickel. Alors, étape suivante, on va récupérer notre portière. Donc, on récupère notre portière, on prend notre garniture. Donc ça, je vais le mettre à l'intérieur pour l'instant, ce sera plus facile. Tout simplement, eh ben, on va venir mettre notre garniture à l'intérieur de cette portière, comme ceci. Voilà, donc on la positionne correctement. Voici qui est fait. Alors ensuite, eh ben, il s'agit de venir mettre combien de vis? 5 vis, 6 vis, 6 vis AM. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, nos 6 vis sont installés et ben, notre portière est tout simplement terminée. Voilà, donc je trouve qu'on a vraiment une belle, belle portière. Hop, on va venir comme ceci tester la vitre. Ben, voilà, elle monte, elle descend nickel. Alors certains sont pas très fans de ce système là de petits trous sur le côté pour venir monter et descendre la vitre. Non, moi je trouve ça assez sympa, hein, puisque à l'origine c'est une vitre électrique, donc à moins de l'attraper, la descendre, la remonter, non, c'est bien, en plus c'est discret, c'est pas difficile à attraper une fois que la portière est ouverte. On ouvre la portière, hop, on passe son doigt en dessous, bon, faut juste, voilà, trouver le bon endroit. Non, franchement, c'est ingénieux, ingénieux. Allez, hop, on va la laisser fermer comme ceci. Non, franchement, c'est très très beau. Bon, alors, très certainement que vous aurez réussi beaucoup mieux que moi, mais alors ici j'ai vraiment je vais essayer de
tout à l'heure, là, je vais essayer de rattraper ça, parce que là, franchement, non, ça me plaît pas du tout, du tout, du tout. Hein, ce manque, on dirait qu'il y a une partie qui a été arrachée, carrément. Voilà. Bon, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez bien à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao, ciao.